Evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, we talk May 3rd, the International, the World Press Freedom Day. Tonight, we take a look at the exchange between media professionals and the government, reminiscing over the heroes who died because of the pen. In other news, we will be looking at Cameroon's under 17 squad that will be going head-to-head with Mali tomorrow for the curtain raiser in the Africa Cup of Nations. What are the team's ambitions and what has been set up in order to attain them? This newscast will answer these questions and many more. If you're just joining us, this is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Leila Reine Ganzo opens the news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donette en dessin. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Liberté de la presse, les journalistes camerounais sont-ils libres d'exercer leur profession en toute sérénité? La question était au cœur des échanges entre les professionnels des médias et le gouvernement au palais des congrès de Yaoundé. Présent, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a appelé les professionnels des médias à exercer avec un peu plus de responsabilité. Il a par ailleurs promis de nouveaux soutiens à la presse. Le compte-rendu d'Olivier Bouzique. Selon les professionnels des médias, le journalisme au Cameroun est devenu un métier à haut risque. Au 31 janvier-décembre 2022, nous avons dénombré 134 cas de journalistes qui ont eu des mailles à partir avec la justice dans l'exercice de leur profession. L'environnement fait que tout le monde travaille la peur au ventre. Il y a des sujets que la plupart évitent. Quasiment parce pas peur de représailles. Un journaliste n'a pas besoin d'être patriote, un journaliste n'a pas besoin d'être républicain. Un journaliste a besoin d'être simplement journaliste. Un journaliste présente les faits, un journaliste présente l'information. Au-delà du danger, il se trouve que la situation financière des médias est catastrophique. Les médias sont devenus fragiles sur le plan économique. Des journalistes, ils travaillent, mais n'arrivent pas à avoir leur salaire. Et ce n'est pas toujours le propre de ceux qui dirigent ces médias-là. Nous ne pouvons pas avoir une presse viable quand les journalistes sont économiquement liés à la mendicité pour faire une information d'opinion au lieu de donner une information indépendante. L'UNESCO regrette ce tableau sombre et propose. Chacun d'entre nous, en tant que consommateur de presse, pour savoir apprécier la qualité et pour pouvoir éviter les deux écueils de l'indifférence, mais aussi de la soumission sans éducation critique à certaines dérives des réseaux sociaux. Le gouvernement a pris acte des observations et suggestions, reconnaît les manquements et envisage renforcer le soutien à la presse. Les journalistes, ils doivent faire attention parce qu'ils ont là un instrument qui peut construire comme il peut détruire. Nous nous battons pour que les conditions de vie, les conditions de travail des journalistes s'améliorent. C'est le prélude d'une journée d'échanges profonds entre acteurs des médias pour évaluer globalement les défis actuels et futurs, surtout face à l'avènement des nouveaux médias. Journée mondiale de la liberté de la presse, les conditions de vie et de travail du journaliste, l'accès à l'information et la dépénalisation des délits de presse sont entre autres griefs soulevés ce jour par les journalistes. Ceux appartenant au syndicat national des journalistes du Cameroun se sont réunis à la place du gouvernement, c'est ici à Bonandjo. Libre de leur mouvement, c'est un grand nombre qui se sont rendus à la place du gouvernement à Bonandjo, ici à Douala, une fois de plus pour donner de la voix pour la liberté de la presse. Les enjeux de cette journée, justement, est de rappeler au pouvoir public, de rappeler aux différents pouvoirs, parce qu'il faut aussi le souligner, la question de la liberté de la presse ne concerne pas que les pouvoirs publics. Il s'agit de tous les pouvoirs, pouvoir économique, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et même pouvoir de presse. Donc il s'agit donc de rappeler à l'environnement médiatique qu'il est important pour nos journalistes d'exercer dans un environnement où l'expression est libre. Pourtant, selon le secrétaire général des Nations Unies, la liberté de la presse est le fondement même de la démocratie et de la justice. Ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, sous la bannière du syndicat national des journalistes du Cameroun, ils sont nombreux à s'être retrouvés ici
occasion de mener un plaidoyer pour les conditions de travail des journalistes. Globalement, il est difficile aux journalistes camerounais de vivre de son métier. De ce... La cause, c'est naturellement les promoteurs de ces entreprises de presse. Il y en a qui roulent le chaos carrément, mais voyez dans quelles conditions vivent leurs collaborateurs qui n'arrivent pas à boucler les fins du mois, qui n'ont pas d'affiliation CNPS, qui n'ont même pas de contrat de travail et ça perdure. Comment voulez-vous qu'un journaliste qui n'arrive même pas à avoir l'argent pour aller sur le terrain et puisse être professionnel? Un tableau très sombre. Donc, lorsqu'on regarde le thème qui parle encore des droits des journalistes, vous allez comprendre qu'il y a quand même des choses qui ont encore lieu de faire. On commence d'abord, par exemple, à l'accès à l'information. C'est très, très compliqué au Cameroun pour un journaliste d'avoir l'accès à l'information. Le Cameroun, c'est plus de 600 journaux, environ 200 radios, plus de 60 chaînes de télévision. Un record en Afrique, pourtant, il est l'un des plus dangereux dans le continent pour les hommes de médias. Mais il est clair que liberté ne veut pas dire libertinage. Et c'est pour ça que la question de la dépénalisation des délits de presse paraît quand même centrale et quasi essentielle. Et que la dépénalisation ici concerne davantage de ne plus permettre au juge pénal d'être le juge des questions de délits de presse. Donc, d'éviter des peines privatives de liberté aux journalistes. Et en conséquence, les ONG et tous ceux qui portent la parole de la presse pensent qu'il faut donc aller vers des sanctions, par exemple pécuniaires, à l'endroit des hommes de médias ou des médias qui feraient des fautes. Le dernier rapport de Reporters sans frontières classe le Cameroun 138e sur 180 en 2023 contre 118 sur 180 en 2022. Un recul de la liberté de la presse dans le monde relevé par la Fédération internationale des journalistes. Still in line with the World Press Freedom Day, some English-speaking journalists met in the city of Douala have expressed the different challenges encountered on the field when carrying out their duties. Well, let's go listen to this report as prepared by Crystal Asekswele. Okay, c'est bon. Freely and independently execute without threat, violence, intimidation, censorship and having free access to information as some of the biggest challenges journalists face in their line of duty. According to the president of the Cameroon English-Speaking Journalists Association, Douala Chapter, Maureen D., these barriers makes it hard for journalists to be fair and balanced in their treatment of information. Access to information is one of the biggest challenges of journalists today, and we are fighting for that. And we are trying to tell people, the government, our organization, understand that information is power. By the time you don't give journalists the right information, then you're pushing that journalist to send out just what he wants to say. And you know, journalists have a crucial role to play in society, for the development of society. So which means that the journalist is out there because he wants the right information to send out to the public. By the time you don't give that information, then expect what you want to expect. And that's why you see journalists write just what they think and what they feel. Because you write something, you go to the source, but you're being blocked. They'll tell you that no, the hierarchy has to give authorization before they can say anything. And at that point, the journalist is left to see how you can treat that information. Sometimes you'll do the story without without balancing or any fairness, and you see the story out. And that's when you see the source will start grumbling. At the same time, I, for example, when I go to source to my source and he blocks the door at me, what I do is that I say it and I have images that I was there and he refused information. I was refused information. Accessing the right information is equally crucial for a journalist as it permits the latter to be unbiased, fact-based, fair, balanced, and objective in the story, says Anne Nabila, journalist. Access to information in Cameroon as a journalist, I wouldn't say it's all is well, all is okay, it's really problematic. Most times when you write your story and you want to balance it, you want to be fair, you want to be objective, you
as it's normal as a journalist to get the both sides of the story. But whenever we get a story, especially a critical story, you want to get the other side of the third party, maybe the government, especially the government. It's always very, very difficult. They'll start directing you to go and meet somebody to have authorization before your source can speak. Access to information is really problematic. If our authorities can understand that a society needs information, we can only build our society if the people are informed, then they're going to do something positive in that light. However, allowing journalists exercise their profession and do their jobs freely and smoothly by granting them access to the right information and sources will go a long way to facilitate the execution of their job, Fon Rini Marquez says. Because we want to look at the present context in which we find ourselves, it becomes somewhat difficult for journalists to respect or maybe for journalists to exercise their duty. I want to take the case of the Northwest and Southwest regions where we have our colleagues that are there. It becomes somewhat difficult for them to exercise that because of the present situation where they are being caught up between the dungeon and the deep blue sea. They're being caught up between the military and the separatist fighters. Now, it becomes somewhat very, very difficult for them to exercise that because at one point in time, maybe you're reporting something that you don't have maybe ample information. Today, May 3, 2023 is commemorated world over as World Press Freedom Day under the theme Shaping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights. The day is set aside to celebrate the fundamental principles of press freedom, evaluate press freedom around the world, defend the media from attacks on their independence and equally pay tribute to journalists who have lost their lives in the course of carrying out their duty. Talk about media men and women who have lost their lives in the course of carrying out their duty. Well, we talk of cases like Samuel Wazizi. We talk of other cases like Jean-Jacques Olabébé and recently Martinez Zogo. Well, in our next report, as compiled by Josephine Bindi, we look at these men that have lost their lives in the course of carrying out their duty. For the sake of the microphone, many have gone down memory lane in Cameroon. Press freedom continues its long decline in Cameroon and has been classified as one of Africa's most dangerous countries for journalists following the brutal assassination of media personality Martinez Zogo, Jean-Jacques Olabébé, the disappearance of Samuel Wazizi, just to name a few. The very exercise of the journalism and mass media profession has been faced with threat, intimidation, limited access to information to create a favorable platform for balance, objectivity, professionalism, and verified information. Following the very canons of the profession, reporters are often detained arbitrarily and prosecuted by the military tribunals or special courts. The 2014 terrorism law was used to keep a Radio France International journalist correspondent in detention for 2.5 years. But it is a preventive detention of the former head of public radio and TV broadcaster since 2016 that testifies that most of the level of retaliation to which a journalist can be subjected if they act independently and resist the government's interference in their work. The United Nations recognized the arbitrary nature of the arrest and detention of media personalities. The internet disconnection in the English-speaking zones in the beginning of the unrest in the Anglophone zones was a direct attack to the very exercise of the journalism profession. Authorities tirelessly came after journalists in particular, often accusing them of abetting secessionist movements in the regions. Samuel Wazizi was held incommunicado after being arrested in 2019 and died in very suspicious circumstances few days later. More than 10 months went down before government finally recognized that he had died in detention. The tendency of constant harassment of media personalities intensified after President Biya's re-election for the seventh term in October 2018, where journalists were once more threatened, attacked, and arrested.
2023 was an incident that broke the last straw on the camel's back with the brutal assassination of Martinez Zogo. Worthy of note was the mutilation of his vital organs with his tongue and some fingers chopped off, meaning stay silent. The profession, however, has its canon, and if access to information is given, journalists will remain on the very lane of professionalism. Nous évaluons l'état de la liberté de la presse au Cameroun. Le cas Martinez Zogo parle. Souvenez-vous de cet homme de médias retrouvé mort, assassiné en janvier dernier. Ce soir, Olivier Bouzique fait un focus sur l'homme et son travail. Ce matin-là, l'une des nombreuses productions de Martinez Zogo est diffusée à l'heure d'embouteillage pour garder le feeling avec ses auditeurs. Une démarche du top management d'Amplitude FM. Martinez est décédé, mais Embouteillage n'est pas décédé pour l'instant. Nous allons encore rediffuser, et comme nous le faisons depuis un bon bout, ces anciennes émissions pendant plusieurs mois. L'idée est de sauvegarder un concept qui a su conquérir les habitants de la capitale politique pendant sa dizaine d'années d'existence. Embouteillage a fait plusieurs escales avant d'atterrir à Amplitude FM. C'était une propriété privée de Martinez Zogo. C'est lui-même qui avait conçu Embouteillage. Et il conçoit Embouteillage quand il part de la radio Siantou, où il déposait ses valises dans les années 2008, si j'ai bonne mémoire, à la radio Magique FM. C'est où il fait la première émission Embouteillage. Après ces années, il a eu des petits problèmes. C'est où il a été sollicité en 2011, ici à la radio Amplitude FM, par l'ancien chef de chaîne, Francis Libéral, qui est l'un de ses amis. Partout où l'émission est passée, le concept est resté le même. C'est un melting pot. Martinez Zogo touchait dans l'émission Embouteillage tous les pans de la société. Et alors, il avait une particularité, il avait ce courage de dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Si vous venez ici, la salle d'attente était toujours pleine parce que les gens viennent dénoncer et ils n'amenaient pas tout à l'antenne. Et vous savez, quand il débat un problème social comme ça, au quartier, les auditeurs aiment ça. Et généralement, on ouvre l'antenne. Les gens disent ce qu'ils pensent. Au quartier, il y a le chômage, il y a ceci. Les auditeurs aiment écouter ça. Que là-bas, au moins, il y a quelqu'un qui s'occupe de nos problèmes. Des dénonciations tout azimut qui lui causaient régulièrement des ennuis. Disons-le sans détour. Embouteillage et Martinez Zogo, au moins, si je ne me trompe, près de 200 convocations et plaintes, si je ne me trompe. À un certain moment, nous-mêmes, ses collaborateurs, on se posait la question de savoir que, mais puisqu'on l'appelait communément Maestro, Maestro, franchement, toi, avec ton émission là, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'as pas peur, et ainsi de suite. Il disait, Charlie, un bon journaliste est celui qu'on arrête, on fouette, et celui qu'on convoque. Si tu exerces le métier de journaliste et que tu n'as jamais été convoqué, c'est que tu n'es pas un bon journaliste. Au quotidien, il subit les menaces. Que ce soit il y a 10 ans, que ce soit il y a un an. Tout le temps ici, parfois le CNC nous ferme, parfois on reçoit les convocations des huissiers et de ceci et de cela. On nous ferme parfois ici 6 mois, parfois on le met en prison. Donc au quotidien, son émission était une émission à risque. Si les gens se rappellent, le cas bébé Vanessa Tchatchou, il y a eu le problème de droit d'auteur avec l'émission qui a fait encore tout un gros tollé entre Billy Shaw, Charles Atebe Yené, De Regretter Mémoire et Onangini. Une émission qui a fait tout un tollé dans la cité capitale. Tout le monde s'est arrêté pour écouter cette émission dont Embouteillage, c'était une émission très populaire. Entre plaintes, menaces, garde à vue, convocation au CNC pour entorse à la déontologie journalistique, la démarche de Martinez ne faisait pas forcément l'unanimité dans la corporation. Au-delà des comportements et des attitudes corporatistes, on pense d'abord à l'humain qui a été assassiné sauvagement. On a envie de se demander, mais est-ce que ça vaut encore la peine de faire ce métier? Dit que déontologie, est-ce que Martinez ne respectait pas les règles? Je pense que Martinez faisait aussi ça. Il faisait de la collecte. Il traitait l'information et il diffusait. Mais il avait un style particulier. Si d'aventure un tiers s'estime lésé ou malmené par un traitement journalistique qui a droit de recours, un arsenal
juridique, un arsenal de choses qu'on peut faire pour rentrer dans ses droits. On peut quand même néanmoins, moi je pense, exploiter son style journalistique pour essayer de voir, tirer ce qui est bon et retirer ce qui est mauvais. Garder le meilleur, surtout pour la suite du trajet. Embouteillage est loin d'avoir mis la clé sous le paillasson. Le nom Embouteillage va rester, mais un autre présentateur sera présent. Le ton sera presque le même, c'est une surprise. Parce qu'on a essayé de travailler le contenu, ainsi de suite. Le ton sera presque le même, parce que nous ne voulons pas que l'âme de Martinez ou le style de Martinez, puisque pendant qu'il exerçait, il a aussi formé quelqu'un qui viendra continuer son travail. Sûrement, peut-être le ton sera plus élevé, on ne sait pas. Le programme Boost a près de 70% l'audience, génère de nombreuses publicités et partenariats financiers qui contribuent au fonctionnement de la radio. Mais les plus heureux seront les habitants, en particulier les chauffeurs de taxi qui écoutent en longueur de journée. Ça nous manque tellement parce que tous les matins dans le taxi, quand je me rendais à mon travail, je suivais cette émission-là tout le temps, tous les jours, ça nous manque vraiment. Ça nous disait, ça nous épanouissait et puis il nous disait beaucoup de choses, ça nous faisait beaucoup de découvertes. À chaque fois, quand son émission passait, on était là pour suivre, avec tous nos clients aussi. Et il disait beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Nous attendons juste les coupables, nous voulons aussi voir tous les coupables. On veut que la vérité soit dite. Après le décès de l'animateur, Martinez Zogo, les habitants de la ville de Yaoundé regrettent leur émission mythique Embouteillage. Ils vont certainement s'y habituer, mais avant ils réclament justice pour son présentateur, Martinez Zogo. Shaping a future of rights, freedom of expression, as a driver for all other human rights. Well, this is the theme of the 2023 World Press Freedom Day. Today, we gave the mic to some inhabitants here in the economic capital of Cameroon, Douala, to give us their own opinion. Is press freedom really a reality in Cameroon? This is what they had to say. I think press freedom in Cameroon is not really a reality because journalists in Cameroon are not really respected in there just because of their views, their point of view they give. We find many journalists in Cameroon in prison. To me, I think it's not really a reality. I think that the government has to do much so that it should be a reality in Cameroon because we talk of press freedom, meaning that people have to express their mind, their opinions. But once express their opinion, they find themselves in jails. So to me, press freedom in Cameroon is not really a reality, and I really wish, because looking at the case, so many journalists are jailed just because they express their mind, just because they give their opinion. We look at cases like the case of, I can take example like the case of Vamoke, the former general manager of CRTV. He has appeared in court so many times, but nothing is coming from. So I really think that press freedom is not a reality in Cameroon to me. Press freedom. It's not really the way we want it to be because most people, especially the journalists, they are being targeted when they want to speak the truth. So we think the government should at least give the press freedom as speculated in the text that they have. So I think they should do something about press freedom. It is not actually something free to do. Yes, for me, that's what it is. You can't really be free when you are doing this press work. Actually, you need to seek some authorities before doing any type of thing. Yeah. The press in Cameroon is not free. There's not freedom of press in Cameroon. That's what I can say about the press. Well, I don't know because they don't allow journalists to do their work properly. My proposition is that they should allow the media men to do their work accordingly. Deux gants de microbes viennent de tomber dans les filets de la première région de gendarmerie de Yaoundé. Les premiers ont été interpellés à la suite de l'assassinat d'un jeune homme de 19 ans. Ils ont été présentés à la presse ce jour. Olivier Bouzic.
Les microbes ont fait une nouvelle victime à Yaoundé. Marvin Zhang, un élève de 19 ans, a été mortellement poignardé jeudi dernier pendant une séance sportive aux environs de 22h. Il y a des gars qui sont venus nous demander de l'argent. Et on n'avait pas d'argent, on leur a dit qu'on n'avait pas l'argent. Il y avait l'un de nos amis, il avait seulement 600 sur lui. Ils ont pris les 600 là. Maintenant alors, mon frère qui est décédé, s'il vient, comme il n'était pas là, il demande que qu'est-ce qui se passe ici. Quand il a posé la question, on a commencé à taper sur lui. Une violente bagarre se déclenche. Le jeune décède. Alerté, la première région de gendarmerie se met en branle. Nous sommes allés même jusqu'au quartier Dakar pour pouvoir donc interpeller tous les membres de ce gang. Parce que c'est des jeunes gens qui écument la population du quartier. Donc ils font partie de ce qu'on appelle les microbes. Hein. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons jeunes gens à plus de 22 heures se retrouvent en train de faire du sport à l'esplanade du stade militaire. C'est pour quel motif? Le jeune homme sera inhumé le 13 mai prochain. Une perte pour sa famille qui voyait en cet amoureux du football un renfort incontestable pour l'équipe Fagnon. Malheureusement, les stupéfiants pris par ses agresseurs ont eu raison de lui. La première région de gendarmerie dans sa chasse à l'homme a aussi démantelé un réseau de dealers qui a fait son nid dans la capitale. Vous avez dû voir derrière vous la quantité de stupéfiants qui a été saisie par nos soins. Hein, donc une fois consommé, il se livre, n'est-ce pas, à n'importe quelle pratique. Nous poursuivons cette lutte acharnée au quotidien contre ces microbes parce que ce phénomène prend effectivement une ampleur considérable dans la ville de Yaoundé particulièrement et également dans les périphéries. Les deux bandes de présumés malfrats dont l'âge varie entre 16 et 18 ans seront déférées au parquet près le tribunal de grande instance du Fundi. And on a side note, the journalism profession just lost one of its ace reporters. Well, Jiko Mulong alongside two others were involved in an accident on their way back from the Twin Lakes in Bangem. The newsman gave up the ghost according to reports, with his two other colleagues rushed to the hospital for medical checkup. We send our heartfelt condolences to him and to his family. We now talk sports here in the 8 p.m. Balingua newscast. The last time Cameroon met Mali in the Under-17 Africa Cup of Nations was in 2015 in Niger. The Lion Cubs lost heavily to Mali 1-3 in a match that was officiated by an Algerian referee. Well, that lone goal was called by Martin Hongla. Tomorrow, these two teams will be meeting in same setting, and the Lion Cubs, promise they won't be at the receiving end. Let's go listen to this report for more. The Under-17 Lions of Cameroon will officially begin their AFCON campaign on Thursday, May 4, 2023. The boys of Serge Mibo will go head-to-head with two times champions Mali for maximum points and a chance of making it to the quarterfinals of the tournament. Out of round one due to the disqualification of South Sudan, Evina Sonny and his teammates need at least a point in tomorrow's game in order to maximize their chances of survival. In the pre-match presser held today in Annaba, Coach Serge explains his team is in Algeria with the sole purpose of retaining the title. Sad over the disqualification of South Sudan and their inability to start the competition like other teams, the trainer hopes to use every game minutes judiciously to attain their goal. As for team captain Evina Sonny, the team is in a good frame of mind for tomorrow's encounter. Well aware of the daunting task they have ahead, they hope to replicate the exploits of their predecessors and write history as the only country to have lifted the trophy consecutively. The advantage the Lion Cubs have is they have watched the Malians play. Mali is already 3 points ahead thanks to Mamadou Doumba's strike against Burkina Faso. The team's last game is against Cameroon, so a loss may likely alter their qualification chances.
que tout le monde se demande si le Cameroun Piapa viendra conserver son titre de champion. Les Lions cadets se disent sereins. Classés dans le groupe C avec le Mali, le Soudan et le Burkina Faso, les champions en titre croisent le fer avec le Mali demain jeudi. Je vous propose d'écouter le capitaine Sonny Evina. Tout se passe bien jusqu'à maintenant. Malgré le match qu'on a annulé, on devait jouer contre le Sud-Soudan. Et après, on va passer à autre chose. On continue la préparation. Tout se passe bien. Tout le monde est prêt. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Tout se passe bien. On est prêt. On a vu quelques matchs, quelques actions du Mali. Le match passé, ils ont joué contre la Zambie en amical. Et on a pu voir ce qu'ils peuvent proposer. Et on est préparé. On sera prêt pour ce match. Ce qui nous fait notre force, c'est que nous savons pourquoi nous sommes là. Et nous savons, nous représentons tout un pays où nous sommes ici. Et après, nous avons fait une très bonne préparation dans toutes ces équipes. Ils avaient aussi des très bons joueurs, des très bonnes équipes, mais on a pris le dessus grâce à notre préparation, bravo à tout notre staff. On va tout donner sur le terrain, nous sommes prêts à donner notre vie sur le terrain, nous savons où notre football. Et à ce moment, nous savons que ça ne va pas et nous sommes conscients de ce qui nous attend. Et on va essayer de régler cela et rendre le public camerounais fier. Il n'y a pas de pression, ce sont d'autres équipes qui ont la pression, nous sommes sereins. On sait qu'on va faire le job. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, la Donette Odessa. Good night to you, Leila Renganze, and good night to every viewer of Spectrum Television. Take the rendezvous with us, same time, same station. Have a wonderful time in the company of our programs.